samedi, j'ai mis en ligne l'épisode 15. Là, moi, pis ma... mon hormone du bonheur! Bon, mon hormone du bonheur, on s'en va. On s'en va déjeuner. Après ça, on s'en va faire une course. Puis après ça, on s'en va à une exposition. Comment il s'appelle l'artiste, maman? Sticky Peaches. Sticky Peaches. Puis c'est quel genre qu'il fait? Il fait comme des collages, il fait comme des... C'est un peu du graffiti mélangé avec plein de trucs. Oh, c'est beau, Diane! Bon, ben on sort de l'exposition, on sort de la station 16. Ah, c'est bien cool, j'avais même pas remarqué ça. Regarde en arrière de moi, mon amour. Wow, c'est psychédélique. On sort de la station 16, super belle petite expo de Sticky Peach. Je vais aller googler, il est vraiment intéressant. C'est beau ce qu'il fait, c'est super trash. Quelque chose de... Je trouve que le gars, il est libre. J'aime ce qu'il fait, ça. Il a de l'air libre. C'était tout simple, il n'y avait pas beaucoup de morceaux, mais c'était super beau ce qu'il fait. J'ai adoré ça, c'est super beau. On est parqués où, nous? Hola Internet! On est dimanche, en train de prendre mon café vintage, mon café TQS. Là, je suis en train d'émerger, en train de prendre mon café, puis ma blonde s'en vient me rejoindre. Parce que tantôt, après dîner, on s'en va voir la pièce de théâtre dans laquelle ma fille joue. On s'en va à l'école voir ma fille jouer dans une pièce de théâtre. Puis j'adore ça, aller la voir jouer. Ma fille, quand elle rentre dans cet univers-là, elle est comme un poisson dans l'eau. Elle est une autre personne complètement. Tu vois qu'elle est heureuse, ça n'a pas de bon sens. Elle a plus de gêne, il n'y a plus de barrière. Elle est vraiment bien là-dedans. Tu vois qu'elle est à l'aise là-dedans. Fait que c'est toujours la fun d'aller la voir performer. Fait que ça devrait être cool, ça. J'ai bien ben hâte. J'ai hâte de voir quel rôle elle joue. Chemin du retour. On sort de la pièce de théâtre de ma fille. Elle était excellente. Elle était tellement bonne. Puis en plus, elle était malade. Elle était super belle. Elle avait l'air d'une belle princesse. Puis elle était super bonne. T'étais bonne, ma grenouille. T'étais bonne. Papa, il est tellement fier de toi. Tellement fier de toi. Suggestion Netflix. Cette semaine, à la suggestion Netflix, un show d'humour. Il y a deux semaines, je vous ai parlé de Ali Wong, qui est probablement une de mes plus belles découvertes de 2016 en termes d'humour. Cette semaine, après avoir été déçu des deux comedy specials de Dave Chappelle, je suis tombé par dépit sur celui de Jim Norton. Le show s'appelle A Mouth Full of Shame. C'est excellent, c'est un super bon show. Jim Norton est surtout connu pour avoir été co-animateur de plusieurs émissions de radio, la plus populaire, Opie and Anthony. Depuis leur séparation,
hier, de projet en projet, on le voit, on y fait quelques apparitions ici et là dans des podcasts et des émissions de radio, mais son métier principal, c'est humoriste et il le prouve très bien dans ce comedy special qui est disponible sur Netflix. C'est hyper bon, le gars est excellent. Ça parle de sexe, ça parle de dating, le gars fait beaucoup d'autodérision. Et ça fait du bien en cette période où est-ce qu'à peu près tous les comedy specials ne peuvent pas s'empêcher de parler de politique et de Donald Trump. C'est vraiment un bon show, c'est léger, mais quand je dis léger, attention, ça veut pas dire que c'est admission générale. Le gars est très, très trash, mais c'est vraiment bon. Si vous aimez Mike Ward, vous allez aimer Jim Norton. Ça s'appelle A Mouthful of Shame et c'est disponible sur Netflix. Hola, Internet! On est lundi, j'ai congé aujourd'hui, je vais en profiter pour faire des projets. Je vais vlogger, streamer, puis j'ai un projet assez particulier. On m'a donné ça, c'est un ordinateur complet dans cette petite carte-là. C'est des mini-ordinateurs. Puis ça vient tout nu, t'as à peu près juste ça, et puis il faut que tu montes toi-même l'ordinateur. Il y a plein de projets qui se font avec ça. Puis moi, ce matin, j'ai le goût de me monter une machine pour jouer à des jeux vidéo. Une rétro gaming, une machine d'arcade pour jouer à des vieux jeux vidéo. J'étais en train de fouiller sur les sites web pour savoir comment ça fonctionne. Puis, en fouillant sur les sites web, il est arrivé la plus belle affaire qui me soit arrivée. Je vous montre ça tout de suite. Regardez ça. Casey Neistat qui recommence à vlogger. Oh yeah! Casey Neistat is back, baby! Bon, allez, un dernier café en essayant de monter ça, ce projet-là. Projet de Raspberry Pi. Oh yeah! Ma journée avance à pas de tortue. Je suis en train de... Je devrais faire du ménage. Regardez l'évier, c'est épouvantable. Sauf que mon projet de rétro gaming avance tranquillement. En fait, avance très bien. Je suis en train d'installer l'interface qui est rendue à 40% sur une carte SD. Puis après ça, on met la carte SD là-dedans. On branche ça dans le téléviseur. Il y a, je pense, 2-3 petites configurations à faire. Puis après ça, il paraît que ça va fonctionner. La carte SD est prête. On va essayer ça tout de suite. On va mettre ça là-dedans. Ce petit bidule-là. Et là, on s'en va essayer ça. On va brancher ça dans la télévision. On va voir ce que ça donne. On va lui donner du jus. Le moment de vérité. Oh yeah, il y a de l'action. Oh non! Ouais, ça marche pas. Fuck! C'était mon projet! J'ai le cœur brisé! Oh! Bon ben fuck it! On s'en va au gym, on s'en va rejoindre Dan. Il n'y a plus de balance. Je peux même plus regarder. Fait que là, je sais pas si je suis gros ou si je suis pas gros. D'après moi, je suis plus gros. C'est fini. 185, là. D'après moi, je pêche 185. Mais tu vois, mon Dan, on va super bien. On est dû pour faire un stream. On est dû pour faire un stream. On est dû pour faire notre affaire de réalité virtuelle. Oui. J'ai acheté des manettes USB Bluetooth. Que tu plugues ton téléphone, puis là, ben, tu vas pouvoir avancer, reculer, puis ouvrir les portes. Ah ouais? Ouais. Tu peux bouger? Ouais. Oh! Puis tu peux droiter une fille. Hey, regardez ce que
j'ai trouvé en faisant le ménage, une espèce de petite caméra que j'avais achetée il y a 7-8 ans. Une petite caméra, ça c'était dans le temps que ces petites caméras-là étaient en mode, les petites flip minot. Puis Kodak avait fait un modèle qui s'appelle la ZI-8. C'est tout petit. Puis de mémoire, ça fonctionnait bien. 1080p. Puis je sais pas si la qualité est bonne. Je me souviens plus si la qualité est bonne. Faudrait que je vais faire des tests. Peut-être que je pourrais vlogger avec ça. C'est tout petit. Ah, ça y est. On est en route, on s'en va voir. Ma blonde m'emmène voir l'avare de Molière. On s'en va voir une pièce de théâtre. Ma blonde, elle m'amène voir des affaires. Mon dingue, ça va être le fun, ça. C'est une soirée bénéfice. Bon, ouais, plein de vedettes, plein de personnalités. Une pièce de Molière. Oh. Du théâtre, c'était le théâtre Denise Pelletier. Marie-Denise Pelletier. On est allé voir l'avare de Molière. C'était très bon. J'ai trippé au bout. Il devrait faire un film avec ça. Ça a été fait avec De Funès il y a 40 ans. De Funès a fait l'avare? Uh-huh. Ah ouais? Je pensais qu'il faisait juste des gendarmes, lui. Genre des... Ah ouais, il a fait l'avare. Ben, il devrait faire un film québécois avec ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il... Ça s'appelle Séraphin, un homme et son petit. Ouais, ça s'appelle Pierre Calpelado. Jobi, Joba, Jerichakatakataka, Jobi, 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 Joba, Jerichakatakataka, Jobi, 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 Joba.
Tic-ta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 c